Bonsoir, dans l'actualité ce soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce jeudi à Conakry. Vous avez pu suivre en direct toutes les étapes de cette visite. Une visite d'amitié, de travail qui peut promouvoir l'axe de coopération Ankara-Conakry. Et puis la décision est tombée dans l'affaire visant le général Nou Tchamaïsie. Le président du tribunal militaire a ordonné ce jeudi leur libération. Enfin, le ministre de la Culture poursuit son périple américain Siaka Barry contre les hommes de culture de Los Angeles à ligne de mire une coopération dans le domaine de la culture. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le président de la Turquie est arrivé ce matin à Conakry. Il a été accueilli par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce déplacement de Recep Tayyip Erdogan vise à promouvoir l'axe de coopération entre Ankara et Conakry, une nouvelle dynamique dans les échanges entre les deux États. Le cérémonial d'accueil à l'aéroport avec Mahmoud Bari. Le président turc, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs, a été accueilli ce matin au bas de la passerelle par le chef de l'État et la première dame de la République, Hadia Djené Condé. Après le salut du tricolore national et l'exécution des hymnes nationaux, les deux chefs d'État ont passé en revue un détachement des forces armées et les corps constitués. Recep Tayyip Erdogan et professeur Alpha Condé mettront ce séjour à profit pour renforcer et promouvoir la coopération entre Conakry et Ankara. La Guinée, qui dispose d'importants potentiels, a besoin d'investisseurs pour l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement socio-économique du pays. C'est pourquoi le déplacement de Erdogan va permettre aux opérateurs économiques de saisir cette opportunité pour l'axe Conakry-Ankara. Conakry a accueilli donc ce jeudi le président turc. Vous avez pu suivre en direct toutes les étapes de cette visite. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de la Turquie, a effectué ce jeudi une visite d'amitié de travail à Conakry avec son frère et ami professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun. Le résumé des rencontres entre les deux chefs d'État, c'est avec Ibrahim Akita du bureau de presse de la présidence. De l'aéroport international de Conakry, direction le palais Mohamed V, un parcours durant lequel quelques citoyens sont sortis pour souhaiter la bienvenue à la délégation turque. C'est une visite d'amitié de travail qui exprime la volonté du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et celle du président de la République, professeur Alpha Condé, de redynamiser l'axe de coopération entre Conakry et Ankara. Le séjour de travail de Recep Tayyip Erdogan a commencé par ce tête-à-tête. Les deux hommes d'État ont passé en revue plusieurs aspects allant dans le sens d'une nouvelle dynamique commerciale et économique entre d'une part les deux pays et d'autre part entre les deux secteurs privés. Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont, dans le souci d'un partenariat gagnant-gagnant, réaffirmé leur volonté d'appuyer les deux secteurs privés. C'est justement dans cette trajectoire que les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête élargi avec les deux délégations. Au cours des débats, il a été question des opportunités que la Guinée offre aux investisseurs dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. L'Agence de promotion des investissements privés a aussi étalé les avantages qu'elle offre, avantages liés aux démarches administratives, à la sécurité et à la justice. Recep Tayyip Erdogan a été élevé au grade de Grand Ordre National de Mérite. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux de Guinée, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand corps de l'ordre national du mérite. Les relations guinéo-turques prennent une nouvelle dimension. Cet après-midi, des accords de coopération ont été signés entre les deux États. Au total, 9 accords ont été paraffés entre les deux gouvernements sous la houlette des deux chefs d'État, des mines à la défense en passant par les transports, la santé et l'environnement pour ne citer que cela. Bref, tout porte à croire que les échanges économiques vont accroître entre les deux pays. Explication, Thierno Osman Diallo.
échange de contacts, discussion sur les possibilités de nouer des partenariats, signature de conventions, ce premier forum économique guinéo-turc était véritablement attendu de part et d'autre. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois de fouler le sol guinéen. Les ateliers sectoriels et les rencontres B2B leur permettent de se faire une idée des opportunités qu'offre le pays. On vient d'une visite qui a fait un tour dans la région et ça c'est notre dernier arrêt avant de rentrer. Et on réalise en Turquie que l'Afrique comme continent et Guinée comme pays vont être des joueurs plus importants dans les années qui arrivent. Et la Turquie pour nous, toucher l'Afrique et les pays africains comme le Guinée est très important. Et de grandir l'export aussi, c'est très important pour nous, et de aussi grandir nos marques en dehors de la Turquie. Et ça nous excite et on est ravis d'être ici. Les différentes discussions dans ces salles se matérialisent par la signature de différents accords de partenariat, à l'image de celui entre la société guinéenne BCEP et une autre turque spécialisée dans l'immobilier. Dans l'agroalimentaire, l'expertise turque va accompagner la modernisation des usines guinéennes de production de farine et la formation des boulangers. La rencontre entre le président de la Chambre de commerce turque et les hommes d'affaires guinéens est-elle qualifiée de prometteuse? Le résultat le plus attendu, c'est que nous allons, dans les 48 heures qui suivent, échanger un protocole d'accord que nous allons signer. Et ils s'engagent à nous aider dans tous les domaines possibles du développement économique, notamment en matière d'agriculture. Guinée, gelişim, Guinée'de hakikaten çok büyük bir ticari potansiyel olduğunu görüyorum. C'est la première fois qu'il vient en Guinée et il voit que le commerce a vraiment élargi en Guinée. Il est très content. Et à propos de la pêche, ils ont vu la mer ici, ils ont vu le port, tout ça, ils sont vraiment contents. Et ils pensent qu'ils pourront faire beaucoup de choses en Guinée et travailler avec les Guinéens. Ils disent qu'on a beaucoup de richesses en Guinée et c'est maintenant qu'ils voient ça. Et vraiment, ils sont contents. Ce forum économique guinéo-turc donne de l'espoir aux hommes d'affaires, mais aussi à ceux chargés de son suivi. La signature des accords n'est qu'une étape. La matérialisation des promesses de financement doit être réussie. C'est l'un des grands enjeux de l'événement. Tous les participants, que ce soit les participants turcs ou guinéens, ont reçu une pochette. Et dans la pochette, on a mis des fiches de suivi qu'on appelle les fiches B2B qui vont nous permettre réellement d'effectuer les suivis des accords qui seront pris aujourd'hui. Donc ça nous permet de suivre, de voir, d'identifier s'il y a des points de blocage pour les débloquer ou bien si tout se passe bien, d'enregistrer comme réellement une performance de la pipe. Avec cette visite d'État et de travail du président turc en Guinée, marquée par ce forum économique, c'est une nouvelle ère qui débute dans les relations économiques entre les deux pays. La visite de travail et d'amitié du président turc a été sanctionnée par la rédaction d'un communiqué final qui codifie les futurs rapports entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères a lu le communiqué que je vous invite à suivre. La signature, mais reste le communiqué final qui sera lu tout à l'heure par la ministre guinéenne des Affaires étrangères, Adia Makale Camara. Communiqué conjoint final entre la République de Guinée et la République de Turquie, Conakry le 3 mars 2016. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, à la tête d'une importante délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires, a effectué une visite d'amitié et de travail à Conakry le jeudi 3 mars 2016. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification des liens de solidarité, d'amitié et de coopération existants entre la République de Turquie et la République de Guinée. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu un échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions régionales et internationales. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays et ont réaffirmé leur volonté de les renforcer et de les approfondir par la conclusion d'accords portant sur des domaines variés
et la tenue régulière des sessions de la Grande Commission mixte de coopération. À cette occasion, ils ont rappelé les relations historiques qui existent entre la Turquie et la Guinée. Cette visite intervient à un moment où la Guinée est débarrassée de l'épidémie à virus Ebola. Son Excellence, Monsieur Professeur Alpha Condé, a remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour la précieuse contribution du gouvernement turc à la riposte contre Ebola. Son Excellence, Professeur Alpha Condé, a sollicité l'appui du gouvernement turc au programme de relèvement post-Ebola. À cet effet, Son Excellence le Président Recep Tayyip Erdogan a transmis au peuple et au gouvernement guinéen le message de soutien et de solidarité du peuple et du gouvernement turc. Son Excellence le Président Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs loué les efforts et les décisions courageuses de Son Excellence Professeur Alpha Condé visant à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique de la Guinée. Il a assuré de l'appui et du soutien de la Turquie pour la réalisation en Guinée des projets de développement. De son côté, Son Excellence Professeur Alpha Condé a salué les efforts de Son Excellence Recep Tayyip Erdogan dans la promotion du développement économique, social et culturel de son pays. Au plan économique, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations, en encourageant les entreprises publiques et privées des deux pays à s'impliquer davantage dans la construction d'un partenariat appelé à devenir un modèle de coopération sud-sud. Pendant la visite, 9 accords de coopération ont été signés. Accord dans le domaine du tourisme, accord dans le domaine des services aériens, accord dans le domaine de la santé et des services médicaux, accord cadre de coopération militaire dans le domaine de la formation, de la technique et de la science, accord dans le domaine de la formation militaire, mémorandum sur l'électricité, mémorandum sur les mines, mémorandum sur la protection de l'environnement et la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Au plan régional, les deux chefs d'État ont abordé la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Nigeria, au Niger, au Cameroun et les répercussions néfastes sur d'autres pays de la sous-région. Ils ont à cet effet exprimé leur soutien aux efforts de la communauté internationale pour la restauration de la paix et leur solidarité aux populations de ces deux pays, de ces pays frères. Au plan international, les deux chefs d'État ont dénoncé la situation chaotique qui sévit dans certaines zones de l'Irak et de la Syrie du fait de la guerre qui déchire ces pays, guerre contre laquelle les initiatives doivent être prises pour y mettre fin. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance du rôle de la Oumma islamique pour l'intégration économique, la paix et la stabilité dans le monde. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur foi en l'Organisation des Nations Unies comme cadre privilégié et incontournable de concertation pour le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, la promotion de l'état de droit et la matérialisation du développement durable. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur l'agenda de développement des énergies renouvelables avec les conclusions de la COP21 qui démontrent que le monde industriel a pris conscience du réchauffement climatique et s'engage à aller dans le sens des recommandations issues de cette rencontre internationale. Les deux chefs d'État ont considéré cela comme un signal très encourageant. Leur Excellence, les présidents Recep Tayyip Erdogan et professeur Alpha Condé ont noté avec satisfaction leur identité de vue sur l'ensemble des questions évoquées ainsi que le climat d'entente et de cordialité qui a marqué leurs entretiens. Au terme de son séjour en République de Guinée, le président Recep Tayyip Erdogan a remercié le professeur Alpha Condé, le gouvernement et le peuple frère de Guinée pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention, ainsi que l'hospitalité toute africaine dont lui et sa délégation ont été l'objet. Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, a adressé une invitation à Son Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à effectuer une visite d'amitié et de travail en Turquie. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 3 mars.
L'autre grand fait de la visite au palais Mohamed V, le don de 50 bus accordé à la ville de Conakry par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous reviendrons plus en détail sur cette importante visite dans nos prochaines éditions d'information. Dans le reste de l'actualité, près de 550 cadres de l'administration publique, de la société civile et partenaires sont en concertation autour des lois 029 et 028. Ils vont examiner ces deux principales lois de la réforme. On finit un code de bonne conduite sera élaboré. Explication, Baba Kouyaté. Les lois 028 et 029 portant statut général des fonctionnaires et le fonctionnement des structures étatiques sont inadaptées au contexte actuel de développement de la Guinée. Élaborés depuis 15 ans, ces textes fondamentaux sont en examen pour les adapter aux exigences des réformes engagées en tenant compte des réalités culturelles du pays. Les défis à relever sont immenses, mais le gouvernement guinéen pourrait compter sur ses partenaires. Une autre priorité parmi les appuis de l'Union européenne à la réforme de la fonction publique est la gestion des ressources humaines et l'accompagnement non seulement du MFPREMA, mais aussi de l'ensemble des ministères impliqués dans les processus de réforme en cours à travers le programme d'appui à la réforme des finances publiques pour le ministère de l'économie des finances et le ministère du budget. Ces textes majeurs actuels de l'administration publique mettent l'accent sur une fonction publique de carrière, alors que les spécialistes de la réforme misent sur une administration d'emploi qui valorise les compétences. La fonction publique de carrière a montré ses limites. Il faut en même temps aussi une dose de fonction publique d'emploi à travers la contractualisation de certains emplois importants pour lesquels, n'est-ce pas, on exige la reddition des comptes. Il s'agira donc de faire également un effort d'adaptation, n'est-ce pas, des réalités que nous connaissons dans notre constitution pour les traduire, n'est-ce pas, dans cette loi. Les réformes vont toucher beaucoup de points. Ça va toucher, par exemple, le champ de pouvoir d'intervention, par exemple, d'un secrétaire général ou d'un chef de cabinet par rapport à son ministre, les relations entre l'usager, les citoyens et l'administration elle-même, et puis à l'intérieur de l'administration, simplifier un peu pas mal de démarches que les citoyens ont par rapport à notre administration. Pendant ce forum de révision des lois 028 et 029, les cadres de l'administration vont tenter d'examiner en profondeur ces textes qui touchent la vie des fonctionnaires et agents de l'État. Dans l'actualité encore, le président du tribunal militaire a rendu ce jeudi la décision sur l'affaire visant le général Noutia Messier. Après plusieurs années de détention, le président du tribunal ordonne leur libération. Ils étaient poursuivis pour désertion et non-respect aux consignes de la hiérarchie. Mariam Barry nous apporte des précisions. Le général Noutia, le colonel Sadio Diallo, le lieutenant-colonel Mamadou Gondabon Camara, le lieutenant Kemo Kondé, le lieutenant Mohamed Kondé, l'adjudant Mohamed Kaba, au temps de leur détention préventive respective, ordonnent leur libération s'ils ne sont retenus pour autre cause. Après plus de 4 ans de prison ferme, ces militaires sont désormais libres. Ils étaient accusés de désertion ou non-respect aux consignes de la hiérarchie militaire. La décision du tribunal militaire a émis les accusés. Cela après plusieurs mois de procès. Moi aussi à l'aise, je suis très content parce que je vais rentrer à la maison. Tout ce qui est important dans tout ça, c'est cette liberté que nous avons aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai retrouvé ma liberté, c'est ça l'essentiel. Ces officiers supérieurs quittent donc la maison centrale de Conakry. Les avocats à la défense parlent d'un procès gagné. Opérationnel depuis quelques mois, le tribunal militaire est à sa première bataille judiciaire contre les militaires et assimilés en conflit avec la loi. Justice encore, les enquêtes avancent dans les dossiers, dans le dossier d'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Le garde des Sceaux a fait le point sur l'évolution de l'instruction des 22 personnes placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Avec la presse, Maître Cheikh Sako a aussi échangé sur les détentions préventives prolongées et la construction de la prison de Yoropogia. Explication, Tierno Younoussa Diallo. Au tribunal de première instance de Dixine, le dossier d'assassinat du journaliste Mohamed Diallo est pendant. Dans la procédure, une vingtaine de personnes déjà placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry est inculpée par les magistrats instructeurs. Le ministre Sako explique le caractère impartial de l'enquête.
Moi, je constate qu'un citoyen guinéen qui a comme profession journaliste a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Il faut déjà poser le constat. À partir de là, comment ce monsieur a été assassiné, par qui et quelles sont les motivations? Après, les considérations politiques, ça n'intéresse pas la justice, ça. Actuellement, il y a 22 personnes qui sont sous mandat de dépôt. Parmi les 22, il y a un qui est accusé d'assassinat. Il est présumé innocent. Il appartient à ce monsieur d'organiser sa défense. Les juges iront jusqu'au bout dans les investigations et dans la recherche de la vérité. Lors de cette conférence de presse, le garde des Sceaux aborde la détention préventive dans les prisons du pays. La question préoccupe au vu du rapport adressé au ministre qui affiche une statistique de plus de 1400 détentions illégales. Le ministre de la Justice promet plusieurs procès en vue de rendre justice. C'est inadmissible que quelqu'un soit resté 10 ans, plus de 10 ans en détention sans être jugé. Il n'y a pas d'explication. Donc là, c'est déjà un raté. Compte tenu de ça, on va en tirer les conséquences. Ceux qui sont en prison pour des faits criminels, qui sont en prison depuis 5 ans, voire 10 ans, on va essayer de réunir les moyens pour que, en priorité, ces gens-là soient jugés. La détention préventive prolongée constitue un facteur majeur dans le sous-peuplement des prisons. Selon les acteurs de la justice et de l'administration pénitentiaire, la fin des travaux de construction de la prison de Yoropogia est un atout pour la détention humaine. Le ministre de la Justice, dans son propos, promet de faire respecter le délai contractuel en dépit du retard accusé dans l'exécution du projet de la prison. On sera à Genève où les travaux de la 31e session des droits de l'homme se poursuivent. Le ministre guinéen de l'Unité nationale et de la citoyenneté au perchoir, Khalifa Gassama Diaby, parle de la problématique des droits de l'homme en Guinée, les acquis et les perspectives, mais aussi de la nécessité sur l'accompagnement effectif de la communauté internationale. Makale Souma, envoyé spécial. C'est un véritable balai de personnalités ici dans le hall de la salle 20 des Nations Unies à Genève. Ils s'apprêtent tous à assister au segment de haut niveau où une centaine de dignitaires des pays du monde, dont la Guinée, dépeignent le visage social de leur pays en matière de droits de l'homme. Des efforts et des actes notables ont été fournis par notre gouvernement et continuent à l'être. Mais disons-le d'emblée, la tâche est périlleuse. Et ce qui reste à faire est de taille et profondément vaste et complexe. Répondre aux exigences du respect des droits de l'homme est le devoir de tous les États. La célébration du cinquantenaire des pactes relatifs aux droits de l'homme est une occasion saisie par le ministre pour mettre la communauté internationale aussi face à ses responsabilités. Il est important que l'ensemble de la communauté internationale se mobilise davantage, au-delà des mots, des verbes, des slogans et des discours pour donner à l'idéal des droits de l'homme tout son sens, toute sa valeur, toute son effectivité pour tous les peuples, quelle que soit leur situation et leur singularité respectable. Le ministre Khalifa Gassama Diaby a fait un discours très remarqué et applaudi devant le Conseil. Un discours qui a insisté sur la nécessité du respect de la dignité humaine et partant la promotion et la protection des droits de l'homme à travers le monde. Page santé, les trois pays de la Manoriva Union affectés par le virus Ebola tirent les leçons de l'épidémie. La phase 3 de cette lutte est lancée à ligne de mire, corriger les faiblesses en vue de minimiser le retour du virus dans ces trois pays. La rencontre est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Hadia Toubari nous signe ce reportage. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont été les pays les plus touchés par la maladie à virus Ebola. Dans ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest, l'épidémie a affecté 21 381 personnes, soit 8 474 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Les efforts conjoints ont mis fin à la transmission interhumaine de la maladie dans l'espace mano. Pour maintenir cet acquis, les acteurs de la lutte des pays concernés analysent les indicateurs du plan de réponse Ebola dénommé phase 3. Faire le point de la situation dans chacun de ces pays, surtout échanger, tirer les leçons. C'est-à-dire que nous pourrons savoir quels sont les gaps qui existent pour la mise en œuvre, par exemple, dans chaque pays, de mécanismes de réponse rapide au cas où il y aurait de nouveaux cas qui surgiraient. Par exemple,
aussi dans le domaine de la surveillance, on pourrait savoir quelles sont les insuffisances qui existent ça et là et qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre comme mesure correctrice. Les pays déclarés indemnes d'Ebola après 42 jours sans notification de cas sont soumis à une surveillance renforcée de 90 jours. En Guinée, par exemple, elle a commencé depuis le 30 décembre dernier. Devant des experts, acquis, défis et perspectives de la stratégie sont exposés. Nous avons demandé et qu'on essaye de mettre en place une phase 4 qui consistera à renforcer la capacité guinéenne et introduire déjà et renforcer le programme de relance de notre système de santé. Et nous allons donner un coup d'accélérateur à leur mise en œuvre. Et deuxièmement, nous allons écouter les deux autres pays voisins, notamment la Sierra Leone et le Libéria, voir s'ils ont eu à développer des stratégies que nous pouvons nous en inspirer pour pouvoir nous rassurer davantage qu'on ne connaîtra pas le même sort que. C'est vraiment important de définir la stratégie pour 2016 et de se nourrir des expériences de la Guinée et de l'expérience du Libéria pour pouvoir enrichir l'approche en Sierra Leone. Cette rencontre des trois pays affectés par Ebola sur la phase 3 de réponse se tient chaque année. La stratégie consiste à mettre en place des mécanismes de détection, de prévention et de réponse rapide à toute rechute de la maladie à virus Ebola. Enfin, aux USA, le ministre de la Culture multiplie les contacts. Sia Kabari rencontre les autorités en charge de la culture de la ville de Los Angeles. Faire la promotion de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, mais surtout nouer des partenariats solides pour le rayonnement de la culture guinéenne. Les détails avec Fatoumata Somora. Le ministre de la Culture continue son offensive au pays de l'oncle Sam. Sia Kabari est reçu cette fois par la directrice de la commission chargée des arts du comté de Los Angeles. Les discussions portent sur des pistes de collaboration. Nous sommes très heureuses d'échanger avec le ministre de la Culture de Guinée. Nous organisons des foires culturelles ici. Il serait intéressant de participer à ces rencontres qui aboutissent à des partenariats très solides. Dans ce berceau du cinéma et des hommes de culture, le ministre Barré reçoit une médaille en guise de reconnaissance de ses efforts de valorisation de la culture du pays de Sorikandjakouyaté. On vient de nous faire l'honneur de me décerner un satisfecit au nom de l'État de Californie et de la ville de Los Angeles et une manière pour eux aussi d'exprimer leur soutien, d'exprimer surtout leur support et leur appui à l'événement Conakry Capitale Mondiale du Livre et de jeter un pont dans les relations entre la Guinée et Los Angeles dans le cadre de la culture, des arts et de la préservation du patrimoine culturel. Toujours aimé et réclamé, il faut croire que la grandeur de la culture guinéenne inspire encore un certain respect. Ce respect, le ministre Sia Kabari jure de le préserver à tout prix. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Restez fidèles au programme de la télévision nationale. À bientôt.